were very few rules that private detectives abided by, but one of them was this. Behind back doors and complicated locks usually lay hidden the answers to your questions. This lock design was highly sophisticated. Hamilton had evidently paid a high price. What did he want to hide, and from whom? Alarming similarities with acute radiation syndrome. Up to that point, Carl had been unaware that Hamilton was ill. Alarming was the right word. Nothing about this document was reassuring. Few corporations had commercial ties with a government behind the Iron Curtain, and there was a good reason for that. What could this MIST program be?
The makeshift lab made Carl feel uncomfortable. He couldn't help but imagine the grim experiments that had taken place there. The note implied that its author had studied the Mystinite. If he was still alive, he might provide some answers. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de... Ah, quelqu'un, enfin! Vous m'entendez? Carl Faubert. Oui, votre nom me dit quelque chose. Très curieuse d'entendre ce que vous avez à dire. Si vous le pouvez, venez me rejoindre. On a établi un refuge au nord avec d'autres survivants. Longez la bordure est du lac Leach jusqu'à ce que vous voyez un pied près d'une tour en bois. Le refuge est proche. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC.
As he drove away from the mansion, Carl pondered the strange discoveries he had made there. The Hamilton Mining Corporation's true activities were shrouded in mystery. However, before he could uncover it, Carl had to reach the survivors at their Leech Lake shelter. Carl Faubert could recognize a love nest when he saw one. If Hamilton indeed had a mistress, this was the stage for their romance. Thank you.
recognize the boat. Its occupants had forced him to dive into the icy water of the lake. But where were they now? At the sight of the peaceful lake, Carl Faubert remembered the embrace of the icy water, its millions of tiny needles cutting into his skin. He was in no hurry to return. A pier and a wooden tower, just as Carl had heard on the radio. The shelter must be close by. The woman's radio message came back to mind. Survivors. Carl would finally get some answers. Relieved to see the animal run away.
Woman's radio message came back to mind. Survivors. Carl would finally get some answers.